L'agriculture, on le disait une fois encore sur ce plateau, avait pour objectif de résoudre les quatre besoins de base de l'homme, à savoir se nourrir, se vêtir, se soigner et bien se loger. Lorsqu'on a évoqué véritablement ces dimensions d'action de l'agriculture, il reste donc à comprendre effectivement que ces dernières devraient donc être au cœur des activités quotidiennes des individus où qu'ils se trouvent. Eh bien, nous avons bien entendu réglé un certain nombre de questions liées à sa pratique. Comment doit-on la pratiquer? C'est du moins la question qui est au cœur de cette édition de la Renaissance africaine sur Afrique Média Télévision, avec pour point de chute, eh bien, d'atteindre le plein épanouissement de l'individu. Pour en parler avec nous, comme à chaque fois, ils sont à nos côtés cette fois-ci pour essayer de voir un peu plus clair dans le labyrinthe de cette problématique. Eh bien, nos amis de l'ONG Save Africa qui nous retrouvent depuis leur position stratégique au village Niafianga, c'est dans le centre du Cameroun. Respectivement, bienvenue à vous, Pierre-Paul Moubita, Madame Agnouk Hugues et Madame Diegues, vous êtes nos invités. Bienvenue, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur Ndou, bonjour. Bonjour, bonjour. C'est un plaisir de nous retrouver toujours, hein. C'est après cette longue coupure qui a fait que nos téléspectateurs s'impatientent et attendent. Bien, nous sommes là à nouveau et merci donc d'être toujours connectés à ce programme Save Africa. Merci beaucoup. Comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, nous avons l'occasion d'être avec la présidente de Save Africa qui est là, avec Njengues Marie-Paul qui sont des agricultrices et qui sont bien sûr des agricultrices au sens noble du terme, et puis au sens aussi de la définition que nous avons donnée de l'agriculture, à savoir que l'agriculture consiste à élever, hein, tous les règnes, c'est-à-dire que du règne minéral en passant par le règne végétal, le règne humain jusqu'au règne, le règne animal jusqu'au règne humain. Lorsqu'on élève tous ces règnes, on pratique l'agriculture. Et du coup, nous avons aussi déjà évoqué le fait que, eh bien, l'agriculture ne se pratique pas seulement au village, parce que même en ville, les hommes, il y a des minéraux, il y a des plantes, il y a des animaux et il y a des hommes. Donc, quel que soit là où on se trouve, parce qu'il faut vraiment qu'on élague cet aspect-là très rapidement, parce que dans la conscience collective de l'humanité, et surtout des Africains, on a l'impression que dès qu'on dit agriculteur, on pense tout de suite à nous autres, les paysans et les villageois. Et du coup,
Ben, on a l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas noble, c'est quelque chose que font ceux qui ont échoué, qui n'ont pas pu avoir des grands diplômes et tout cela. Mais je voudrais quand même aussi en profiter pour dire que dans ce village, on a de toutes catégories, hein, de ceux qui n'ont pas fait l'école jusqu'à ceux qui ont eu des doctorats d'État. Donc dans ce village, on trouve tout ce monde-là. Et tout ce monde-là est agriculteur. Parce que chacun apprend, a appris à élever les plantes, les minéraux, les animaux et les hommes. Et c'est ce que nous faisons tous les jours. Et en le faisant, bien sûr, eh bien, nous pratiquons donc le métier, le premier métier qui a été donné à l'homme sur la terre, dès qu'il est venu sur la terre. Ce qu'il devait faire, c'était de pratiquer l'agriculture. Et c'est pour cela que nous sommes heureux d'en parler encore aujourd'hui, surtout dans l'aspect que tu as évoqué, à savoir comment donc pratiquer cette agriculture-là pour pouvoir développer l'Afrique. Et nous accueillons également nos deux invités, du moins les deux dernières qui nous accompagnent, une fois n'est pas coutume. Madame Agnew Pelagie, vous êtes la présidente de l'ONG Save Africa. Merci d'être à nos côtés. Bienvenue. Merci, Monsieur Ndoum. Bienvenue aussi à vous qui nous rendez toujours visite à Save Africa lorsque il est 13h30 pour l'émission sur Afrique Média. Très heureux d'avoir tous nos téléspectateurs qui nous écoutent et qui nous regardent ce soir. Nous espérons qu'ensemble, on va comprendre ce que c'est que l'agriculture et comment la pratiquer. Et c'est ce que nous faisons à Save Africa. Bonsoir à tous et on se retrouve juste après pour dérouler ce que nous avons prévu pour vous. Tout à fait. Merci à vous, Marie-Paul Jengues. Vous êtes également à nos côtés. Bienvenue à vous. Merci Fabrice, bonsoir à toute l'Afrique. Et bien évidemment, vous avez parlé du plein épanouissement. Vous nous voyez tout épanouis, c'est parce qu'on a bien mangé. C'est aussi ça le rôle de l'agriculture. Si cela n'avait pas été le cas, on n'aurait eu ni l'énergie ni l'intelligence pour venir parler aux Africains, pour leur dire, voici où se trouve le secret afin qu'on puisse se lever tous ensemble. Merci à vous également. Allez, le décor étant donc planté, monsieur, retour à la chose la plus essentielle qui nous réunit en tout cas dans le cadre de cette production, à savoir comment, bien entendu, pratiquer l'agriculture afin d'atteindre le plein épanouissement ou alors l'autosuffisance alimentaire pour reprendre une pensée célèbre en tout cas du côté de l'Occident. Mais nous, on va évoquer du moins le plein épanouissement de l'individu parce qu'on l'a dit, la pratique de l'agriculture devrait en principe répondre aux quatre besoins de base de l'individu, se nourrir, se loger, se soigner, mais surtout se vêtir. Allez, la question centrale et la toute première réaction, elle est à vous, Monsieur Pierre-Paul Moubitant. Comment donc devrait, dans les précédents, la précédente production liée notamment à cette série d'émissions sur l'agriculture, on a bien entendu évoqué le fait que l'agriculture se faisait avec tout le monde, avec les hommes, mais surtout avec les animaux, avec les oiseaux, avec les insectes, tout ce qui est avec, en tout cas tous les règnes de la vie participent bien entendu à la mise en place de l'agriculture. Mais la question centrale de ce programme est celle de savoir comment pratiquer donc véritablement cette agriculture afin de nous permettre, individus, de pouvoir atteindre bien entendu le plein épanouissement. Bien. Alors, après cette définition que nous avons rappelée tout à l'heure, nous voulons aussi tenir compte du fait qu'il est très important de savoir quelle est la fonction de l'agriculture. Parce que tout ce qui existe a une fonction. Vous voyez, une chaise, par exemple, a une fonction, celle de permettre à l'homme de s'asseoir. Une maison a une fonction, celle de permettre à l'homme de pouvoir y habiter. Vous voyez, tout a une fonction, y compris les activités, en quelque sorte. Donc, maintenant, quelle est la fonction de l'agriculture? Après sa définition, nous disons donc que la fonction de l'agriculture, c'est bien de donner à l'homme ce dont non seulement le corps a besoin,
Et en cela, nous pensons à l'alimentation, donc à la culture du sol et avec tout le reste. Mais nous pensons aussi à l'âme, parce que tout a une âme. Et dont la fonction, un des éléments dans la fonction de l'agriculture, c'est d'apporter des éléments à notre âme. L'autre élément dans la fonction de l'agriculture, c'est d'apporter quelque chose à l'esprit humain. Parce que l'homme n'est pas seulement charnel, il est aussi animique, ça veut dire qu'il est un être psychique et il est aussi un être spirituel. Or, l'agriculture, donc, si nous nous en tenons à sa définition et que nous déterminons donc par ce que nous venons de dire sa fonction, donc apporter tous ces éléments à l'homme pour qu'il puisse jouir et s'épanouir et atteindre le bonheur non seulement éphémère, mais le bonheur suprême aussi. L'agriculture apporte cela. C'est d'ailleurs pour cela qu'on avait appelé, on a toujours appelé, par exemple, Osiré, hein, ou qu'on appelle encore Osiris, on l'a appelé le dieu agraire. Or, ce que la divinité apporte aux hommes, ce n'est pas seulement les choses spirituelles, c'est aussi les choses matérielles. La divinité apporte des choses de l'esprit, mais aussi des choses matérielles. Et donc, or, entre l'esprit et la matière, il y a une âme qui est donc l'intermédiaire entre l'esprit et la matière. Et donc, si Dieu a donné la fonction, une fonction telle qu'on vient de la décrire à l'agriculture, cela signifie que, eh bien, il avait besoin que vivent le corps, l'âme et l'esprit. Et l'homme qui est donc le seigneur, en quelque sorte, des créatures, parmi les créatures divines, cet homme donc devait pratiquer dans cette agriculture afin que il soit le guide de l'évolution de toutes les créatures. Il devait faire en sorte que toutes les créatures et tous les règnes évoluent. Donc, encore une fois, un des éléments contenus dans la fonction de l'agriculture, c'est la fonction d'évolution. Et il y a aussi la fonction de transformation, l'élément transformateur qui existe dans l'agriculture, à savoir que on part, par exemple, d'une graine qui se transforme et qui devient un arbre. Donc, il y a là dans cette fonction de l'agriculture aussi l'aspect de la transformation, dont l'agriculture transforme. Alors, vous voyez donc que comme on ne peut pas évoluer sans transformation, alors on se retrouve amené et à être toujours au cœur de l'agriculture, quel que soit ce que nous faisons sur la terre. Donc, comment donc pratiquer dans cette agriculture pour que la fonction de l'agriculture puisse donc être réalisé pour le bien-être de non seulement l'humanité, mais de la Terre et même de l'univers. Donc, c'est ce comment qui va nous amener effectivement à évoquer entre autres avec la présidente de Save Africa tout à l'heure, avec Madame Jengues. Qui vont sûrement nous évoquer les différents aspects pour répondre à la question comment? Parce que ces aspects
qui sont principalement 10, mais ce n'est pas exhaustif. Mais c'est pour donner une indication d'à peu près ce que, si on ne fait pas, alors la fonction de l'agriculture ne sera pas réalisée dans toute sa plénitude. Et donc, ces différents aspects, il va falloir qu'on les déroule tout à l'heure, sûrement, quand vous donnerez la parole à Madame la Présidente, à Madame Jengues, elles vont sûrement nous dire à peu près quels sont ces différents éléments qui permettent donc de répondre à cette question. Comment donc développer l'Afrique à partir de l'agriculture? Comment? Moi, je vais revenir sûrement, mais comme c'est des femmes, vous savez que même lorsque Adam arrive, Adam est placé sur la terre, eh bien, vous allez voir que tout de suite apparaît Ève à ses côtés et personne ne pourrait faire l'agriculture sans que la femme soit à la base, parce que c'est même elle qui nous donne la possibilité, y compris nous les hommes, de pouvoir exister. Elles nous portent dans leur ventre pendant 9 mois. Et je pense qu'elles sont bien placées pour nous dire comment est-ce qu'on peut pratiquer l'agriculture. À vous. Et on va donc en prier avec vous, Madame Ayouk Pelagi Huguette, sur ces aspects qui concourent bien entendu à la pratique de l'agriculture. On peut énumérer bien plus qu'une dizaine, mais on va s'en tenir effectivement aux aspects les plus principaux. Est-ce qu'on peut véritablement évoquer, donc revenir avec vous sur ces aspects qui conditionnent véritablement, j'ai failli dire, la mise en pratique, mais justement la pratique de l'agriculture? Merci, Monsieur Ndoum. On peut dire premièrement qu'il y a d'abord le choix des produits à cultiver. Parce qu'on constate que les gens se mettent à pratiquer l'agriculture, mais sans tenir compte de ce qu'ils doivent cultiver. Lorsqu'on veut cultiver, les produits doivent d'abord être des produits de consommation. Je ne peux pas me mettre à cultiver, par exemple, le cacao, alors que je ne consomme pas le cacao. Donc, il faut que je fasse des choix. Donc, qu'est-ce que je dois manger? Donc, je vais commencer par là. Je choisis les produits. Et je choisis les produits. Je fais tout pour les diversifier. Parce que voilà aussi une faiblesse de l'agriculture, parce que les gens cultivent beaucoup, un ou deux produits, et abandonnent tout le reste, et les achètent au marché, ou alors dans les supermarchés. Donc ce qu'il faut faire, c'est choisir les produits. C'est-à-dire que si je veux bien m'alimenter, je détermine qu'est-ce qui peut être bien pour ma santé, ou alors pour mon bien-être. Donc je vais faire le choix de tous ces produits-là, et maintenant je vais décider de pratiquer cette agriculture-là, pour que ça m'apporte tous ces éléments-là, surtout les 4 besoins de base, au niveau de la santé, de l'alimentation, de l'habitat, et même du vestimentaire. Donc tout ça doit entrer dans ce que je vais produire, que je vais cultiver. Deuxièmement, je vais faire ce qu'on appelle, si on peut dire plaider, mais je ne pourrais pas. On va parler en ce moment-là de la politique. La politique, nos politiciens, qui doivent penser au fait qu'ils doivent nous aménager des pistes ruraux, parce que nous avons des difficultés pour souvent écouler même, ou alors même se déplacer avec nos produits pour arriver même à la maison pour consommer ce que nous avons produit. Mais à ce niveau-là, on peut dire que, à notre niveau, on peut déjà même faire quelque chose en travaillant même ces pistes-là là-bas de nos mains. Mais on peut aussi avoir l'apport des politiciens. La troisième chose qu'on peut aussi avoir pour permettre une bonne agriculture, c'est qu'il faut qu'on travaille en communauté. Et nous, à Sébafrique, on pense que la communauté, c'est d'abord la cellule familiale. Parce qu'on se rend compte que même dans les villages de nos jours, chacun pour soi et Dieu pour tous, comme on dit vulgairement. C'est-à-dire que madame travaille pour elle, monsieur travaille pour lui, et les enfants, chacun se débrouille. Nous, à Sébafrique, on pense qu'on doit travailler ensemble. Si on ne peut pas se mettre avec tous les autres qui sont autour de nous, dans le village par exemple, mais on peut d'abord travailler ne serait-ce qu'avec la famille restreinte, c'est-à-dire le père, la mère, tous les enfants. Donc voilà d'abord quelque chose qui est très important aussi. Donc il faut travailler en communauté. Voilà la faiblesse de l'agriculture africaine et même mondiale. Parce que chacun fait ce qu'il peut, se débrouille à son niveau. Si madame fait un champ de manioc, de patates par exemple, elle travaille sa patate, c'est pour elle, et elle va le travailler toute seule, parce que monsieur aussi se débrouille à travailler sûrement son plantain qui est pour lui,
Et les enfants aussi, à nos niveaux, grandissent dans ce milieu-là. Quand il a un certain âge, lui aussi se débrouille à travailler pour lui. Donc, et c'est ce désordre-là qui fait en sorte que le rendement même ne peut pas être bon. Il y a vraiment une disharmonie qui n'est pas bonne. Donc, on doit travailler ensemble pour que la production soit bonne et qu'elle soit abondante. Et à ce niveau-là, ce problème sera déjà résolu. On n'aura plus faim et on pourra résoudre nos problèmes ensemble. Et la chose qu'on doit aussi faire, c'est que nos politiques, c'est-à-dire M. Mouitan, je pense qu'on va appuyer là-dessus. La politique aussi doit penser au fait que la population attend d'elle, parce que quand on choisit quand même des gens pour nous aider à résoudre les problèmes, parce qu'on sait que l'homme naturel, il doit toujours avoir des gens qui plus éclairés, ou alors on les appelle des sages, qui peuvent apporter des solutions. Ceux-là doivent penser qu'ils doivent subventionner l'agriculture. S'ils ne subventionnent pas l'agriculture, comment les paysans pourraient travailler? Par exemple, je prends un paysan, un jeune, qui veut par exemple produire la tomate. Il n'a même pas de l'espace. Il a une femme, par exemple, et des enfants, ou alors il n'en a même pas encore. Mais qu'est-ce qu'il va faire si il n'a pas déjà l'aide de l'État, ou alors même des mairies qui sont là, qui sont les représentants de l'État, qui peuvent les aider à avoir, par exemple, des petites parcelles, ou alors même à aménager ces parcelles-là pour qu'ils puissent travailler et avoir des bonnes productions pour nourrir leur famille et leurs enfants. Voilà quelques éléments qui peuvent permettre qu'on puisse avoir résoudre le problème de l'agriculture en Afrique et de la bonne santé des populations en général et du bien-être même. Voilà, M. Ndoum, ce que je pense. Et maintenant, par la suite, je pourrais sûrement apporter encore d'autres éléments si vous en avez convenance. Vous avez mis un doigt d'honneur effectivement sur l'action des politiques en place. J'entends par les politiques agricoles et faciliter effectivement à la mise en place de ces différentes politiques agricoles. Un pays comme le Cameroun, on a régulièrement écouté le chef de l'État qui encourageait, du moins ce qui encourage, qui n'a de cesse d'encourager la jeunesse à vouloir à se donner véritablement à l'agriculture. Pour lui, c'est d'ailleurs la voie de salut. Mais est-ce que les conditions et les conditionnalités pour la mise en place d'une agriculture pour tous, j'y arrive, sont véritablement de mise? La question reste et demeure. Marie-Paul Dienguès, je vous retrouve et avec Madame Pélagie Huguet, tout à l'heure, on a évoqué quelques aspects. Est-ce qu'on peut avoir d'autres éléments en plus qui rentrent dans la condition de mise en place d'une agriculture qui va permettre véritablement à tout citoyen de pouvoir atteindre véritablement le plein épanouissement? Comment tout prévu en venant vers les Africains pour leur parler de l'agriculture afin d'atteindre le plein épanouissement, nous avons pensé au moindre détail qu'il fallait davantage mettre un point d'honneur sur les aliments que les Africains doivent consommer. On se plaint aujourd'hui de ce que la mondialisation, bon, peut-être pour d'aucuns c'est un avantage, on ne va pas se couper du monde, on est en Afrique, c'est vrai. Mais lorsque nous parlons du point d'honneur à mettre sur les produits que les Africains consomment, c'est davantage à ce qui, en ce qui concerne l'agriculture primaire, comme on pourrait le dire, de revenir non seulement à nos méthodes culturelles, mais de manger ce que nous produisons. Le problème qui se pose au niveau de la santé des Africains ne vient pas d'ailleurs. Il vient de la méconnaissance ou de la négligence du fait que nous devons consommer ce que nous produisons. Et les Africains ont donc tous ces moyens qu'ils ont mis en berne pour privilégier, par exemple, l'aspect, on pourrait dire scientifique ou chimique, qui va au-delà du naturel. Vous produisez du plantain, vous achetez ou remplacez ce plantain par le riz, un riz importé qui va vous rendre malade. Vous savez au moins comment vous avez cultivé votre plantain. En le consommant, il n'y a aucun risque que vous puissiez vous retrouver avec des problèmes de santé compliqués. Qui de surcroît, on voit aujourd'hui qu'il est possible que quelqu'un puisse se retrouver avec une maladie incurable parce qu'il n'a pas maîtrisé la teneur ou la gravité du produit qu'il a utilisé pour produire la nourriture qu'il a cultivée. Et donc, tout ce que nous déplorons, c'est le fait qu'on ne puisse pas revenir à nous-mêmes. C'est le fait de regarder davantage à ce que les autres font.
Et nous ne savons pas ce qu'ils font, puisque en général, ce qui est produit sur le marché international, c'est la surproduction. Pour être, on peut se répéter en le disant de cette manière-là. Ce qui est l'excédent de ce qui se produit, de ce qui vient d'ailleurs et que nous apprécions beaucoup, c'est ça que nous consommons. Et on déplore également le fait que cela puisse continuer en dehors des engrais chimiques, qu'on se retrouve à manger des organismes génétiquement modifiés. Toute l'Afrique sait de quoi il est question. On a pu retrouver des gens qui aujourd'hui, en voulant dire qu'on va améliorer l'alimentation, on se retrouve avec des vitamines chimiques dans peut-être ce qu'on appelle le couscous de manioc ou tout ce qui ne contient rien à la base. Que non. Lorsque nous consommons des produits frais qui viennent de nos champs, cultivés par nos efforts, il y a de fortes chances que la garantie en ce qui concerne la santé puisse être établie de manière définitive. Il y a ce qu'on pourrait appeler aussi la qualité de la production qui devrait être améliorée. Et nous privilégions à ce niveau aussi le fait qu'on puisse utiliser les méthodes culturales naturelles. L'engrais chimique, revenons dessus, c'est quelque chose de catastrophique. Ça nous a plongé même dans la paresse parce que nous ne cherchons plus. En dehors du compostage qu'on fait de manière routinière, l'Africain ne veut plus réfléchir sur comment pouvoir élever sa plante. Or, la qualité de la production dépend aussi de la manière dont la plante est élevée. Monsieur Mobitan parlait tout à l'heure de la fonction. Les éléments naturels dont l'engrais naturellement produit par les sols, par l'écosystème, jouent ce rôle et cette fonction qui voudrait que la plante ne puisse n'avoir besoin que d'un bon suivi. Et lorsqu'on a la connaissance, parce que c'est aussi ce qui manque aux Africains, cette connaissance qui voudrait que le suivi de la plante puisse être accompagné par des éléments qu'on y met à dose homéopathique et qu'on puisse maintenant pouvoir surveiller la croissance de cette plante jusqu'à ce que la production puisse être assurée. Et lorsqu'on arrive à cette production, il y a de fortes chances que on ne puisse pas regretter que l'Africain qui travaille puisse ne pas être épanoui par ce qu'il consomme ou par ce qu'il produit. Et justement, parlons du nœud gordien en ce qui concerne les zones rurales. Comment donc écouler des produits qui viennent de nos plantations? Ces produits ne sauraient être écoulés lorsque les zones rurales, comme on le sait, sont enclavées. Regardez en ce moment précis, nous sommes en pleine saison pluvieuse. Comment espérer qu'un Africain puisse atteindre cet épanouissement s'il ne peut pas donc écouler le produit de ses champs? Pour la plupart d'entre nous, l'autosuffisance alimentaire n'est plus seulement cette autosuffisance qui voudrait qu'on puisse se contenter de ce qu'on produit en écoulant. L'agriculture aujourd'hui est également devenue un fonds de commerce. Parce que lorsqu'on cultive, la tendance est à l'exportation. Mais cette exportation, ce n'est pas seulement au niveau des pays étrangers. On exporte ce qu'on cultive des villages vers les villes, vers les zones urbaines. Et pour que cela puisse être facilité, il faudrait que, quelqu'un a parlé de l'État tout à l'heure, les subventions de l'État, qui sont aussi, je pourrais dire quelque chose, un devoir pour l'État, à travers les taxes qui sont payées, devraient obliger donc les politiciens à revoir leur copie ou leur manière de faire, parce que le désenclavement des zones rurales, on l'a dit, est un devoir. Personne ou aucun Africain ou un Camerounais, par exemple, prenons cet exemple, ne peut se targuer de vouloir offrir une route déjà bitumée ou je ne sais pas trop comment, travailler ou racler à une population quelconque. La route, c'est le domaine privé de l'État. Et maintenant, ceux qui l'utilisent devraient l'utiliser aussi à bon escient, mais on sait qu'ils payent des impôts à la base et cela devrait faire en sorte que lorsque les politiques viennent vers eux ou dans leur programme, qu'on prévoit sans pouvoir avoir besoin de se le faire rappeler, que les zones rurales doivent être complètement désenclavées pour pouvoir permettre une meilleure communication entre les producteurs des produits agricoles et ceux qui les reçoivent en ville. Donc la qualité de la production de l'aliment, le désenclavement et aussi et surtout le fait que aujourd'hui on observe qu'en Afrique par exemple il n'y a pas de bassins de production. Les gens se retrouvent chacun à pouvoir faire ce qu'il peut. Lorsque quelqu'un se donne la possibilité de pouvoir produire quelque chose, il ne reçoit pas des encouragements en cela.
Il va dans tous les sens, on pourrait le dire ainsi, mais c'est surtout parce qu'il n'y a pas une organisation à la base qui voudrait que chaque zone de production ou bassin de production puisse produire quelque chose de particulier. Et en écoulant cette chose de manière particulière, il est possible que même le rendement puisse avoir un suivi. Nous avons des ingénieurs agronomes. L'école qu'ils ont fait, Monsieur Mobitan parlait aussi de l'école tout à l'heure. L'école que ces ingénieurs ont fait voudrait qu'ils puissent revenir dans les zones rurales, s'imprégner de tout ce que les paysans font parce que la force de l'observation qu'ils ont sur ce qu'ils font tous les jours pourrait être un élément de complémentarité à ce qu'ils ont appris dans ces écoles. Ils ne pourront plus se perdre seulement à utiliser ces produits chimiques ou leurs combinaisons pour que le rendement soit, on dirait, au-delà de ce qu'on pense. Mais de manière naturelle, il est possible qu'ils puissent apprendre des paysans comment cultiver telle plante et faire en sorte que, en devenant un bassin de production, en s'approchant également des délégués de l'agriculture des arrondissements, il puisse être possible qu'on produise de manière d'abord libre, mais surtout très efficace. Parce que les produits qui viennent de l'extérieur, on pourrait dire, au fur et à mesure que la science évolue, les recherches scientifiques se font, la tendance est qu'on puisse imposer aux gens ce qu'ils doivent cultiver pour manger. Donc, on devrait à ce niveau aussi recevoir l'aide de nos ingénieurs agronomes qui devraient privilégier le meilleur pour les populations en ce qui concerne l'agriculture. Sinon, l'épanouissement est remis en cause. Il ne serait pas possible que nous puissions faire un pas à ce niveau-là, puisque l'intelligence naturelle ne saurait plus se développer. L'économie naturelle ne saurait plus se développer. On serait obligé, comme on l'est, on serait peut-être cerné ou encerclé, et on ne pourra pas faire quelque chose de manière privilégiée pour pouvoir sortir les Africains de là où ils sont sortis en ce qui concerne les problèmes au niveau de l'agriculture. Donc voilà en filigrane ce qu'on peut apporter pour l'instant en ce qui concerne les problèmes que nous rencontrons en matière d'agriculture en Afrique. Un élément sur lequel je voudrais que l'on puisse un temps soit peu s'appesantir, M. Pierre-Paul Mobitan, c'est effectivement ce qu'a évoqué tout à l'heure Madame Pelagie. Elle a évoqué le choix justement des produits à cultiver. Et quand on regarde véritablement autour de nous, et quand on parcourt véritablement nos États africains, on a un malheureux constat qui est fait, c'est que la plupart des produits qui sont effectivement cultivés chez nous ne servent pas directement à la consommation, sinon à la grande consommation des Africains. Comment peut-on expliquer cela? Ça, c'est le premier volet de ma question. Et comment y remédier pour véritablement atteindre le plein épanouissement des Africains et partant effectivement de l'humanité tout entière? Bien, alors ceci me ramène encore à quelque chose de fondamental que nous évoquions déjà dès le départ, à savoir que si l'agriculture doit participer à l'épanouissement et au bonheur de l'homme, cela signifie qu'on doit aussi avoir la maîtrise et la connaissance des éléments qui contribuent à cet épanouissement de cet homme selon son corps, son âme et sa conscience. Alors maintenant, il faut savoir que l'agriculture apporte à l'homme des éléments basiques qui permettent au corps, à l'âme et à la conscience de pouvoir s'épanouir. Puisqu'on cherche le bonheur, on cherche le bonheur des hommes, que ce soit les hommes politiques que la présidente de Céafrique a évoqué tout à l'heure. Tout le monde dit je veux contribuer au bonheur des hommes. Mais maintenant, est-ce que si on s'en tient à l'importance de l'agriculture et à la fonction qu'on a évoquée tout à l'heure, et ainsi que à la résolution des quatre principes besoins basiques qui ont été évoqués. Alors, nous devons donc voir que pour que l'homme soit épanoui, comme il faut qu'il soit en bonne santé. C'est sur ce point que je veux m'attarder parce que Monsieur Ndoum, tu as parlé de la qualité des produits. Alors, vous regardez aujourd'hui comment on est
bombardés par les organismes génétiquement modifiés? Comment on est bombardé par les engrais de synthèse? Comment on est bombardé par les hormones, par exemple dans l'élevage, où on te fait grandir une poule qui devait arriver à, après 6 mois d'âge ou 1 an, à être une poule bien dodue, eh bien, on te pompe la poule pour qu'elle devienne consommable après seulement 30 jours. Pour qu'on puisse le faire, il faut des hormones. J'espère que dans la prochaine production, d'ailleurs, en cela, nous allons parler effectivement de la relation entre la santé et l'agriculture. Je souhaite vivement qu'on revienne dessus. Parce que vous allez voir que lorsque, par exemple, on veut rendre quelqu'un qui était même un homme masculin, si on veut le rendre femme, il suffit de le nourrir d'une certaine manière, il devient une femme. Les gens ne se rendent même pas compte de cela. Il suffit tout simplement, par exemple, de pomper le testostérone dans le sang de l'homme, de la femme, pardon, pour que elle commence à se masculiniser. Et l'inverse aussi est vrai quand, par exemple, on pompe les hormones appelées les progestérones. Alors, l'homme commence à se féminiser. Alors, j'en parle parce que c'est très important. Vous savez, on dit agriculture, on ne voit que l'aspect, ok, je mange, je me rassasie et puis je fais ce que j'ai à faire et tout. Mais on ne regarde pas les conséquences, les modifications qui s'opèrent lorsqu'on mange tel ou tel produit. Quelqu'un qui mange, par exemple, en permanence, le taro ne peut pas réaliser certaines prouesses sur le plan intellectuel comme celui qui mange les avocats. Ça, c'est des choses. Si l'Afrique veut demain produire un type d'individu capable de réaliser le développement, nous devons réfléchir sur qu'est-ce que nous devons produire, qu'est-ce que nous devons consommer, comment devons nous-mêmes consommer cela, quelles sont les méthodes de conservation que nous devons mettre en œuvre, quelles sont les méthodes de transformation que nous devons mettre en œuvre. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut absolument mettre en œuvre en fonction du but qu'on veut rechercher. Est-ce qu'on veut des Africains intelligents? Mais il y a des aliments et des produits qui rendent intelligents. Si nous voulons avoir des athlètes de très haut niveau, mais vous n'avez qu'à aller voir les gens qui ont les champions kenyans qui ont toujours été champions de 10 000 mètres, de 5000 mètres et consorts et tout, vous allez voir qu'ils ne mangent pas n'importe quoi. L'alimentation est souvent fonction des activités qu'on mène. Mais nous, on est dans le fourre-tout. Tu vas voir un gars qui veut devenir champion en athlétisme, il mange le taro 3 fois par semaine. Mais il n'ira nulle part. Ce n'est pas possible. Par contre, lorsque celui qui a besoin, par exemple, de beaucoup d'énergie pour pouvoir travailler rude, parce que ça demande beaucoup des éléments ou des aliments qui apportent de l'énergie, il doit donc manger des choses énergétiques. Or, tu regardes les Africains, il va laisser la banane douce, qui est un aliment énergétique, pour aller chercher le sucre pour sucrer la bouillie de l'enfant,
Alors que c'est la banane douce qu'il devrait pouvoir mettre pour sucrer cette bouillie. On s'est mis, puisqu'on a rempli les sucres industriels, le sucre industriel partout, alors c'est terminé. L'Africain ne sait même plus qu'on peut sucrer quelque chose qu'on veut manger avec un autre fruit sucré. Par exemple, vous voulez manger, je ne sais pas encore, je peux prendre le cas d'une farine quelconque, une farine de maïs. Vous voulez qu'elle ait un goût sucré, mais vous prenez un autre fruit que vous avez planté et vous sucrez avec la mangue, l'ananas, hein, ou tout autre fruit qui permet de sucrer la banane douce. Donc il y a un problème réel du choix de l'alimentation. Et la richesse de l'Afrique permet, en fonction des zones écologiques, agroécologiques, de faire en sorte que dans les échanges qu'il y a entre les micro-États africains, qu'on puisse dire, ceux-là, ils sont au Sahel, ils sont à même de produire plus de dattes, ils sont à même de produire beaucoup plus, comment on appelle encore ce joli fruit qui est à notre entrée, le jujube, hein? Parce qu'on est au Sahel, parce que le jujube ou le manguier a besoin de beaucoup de soleil. Alors, ceux qui sont dans une zone agroécologique où il y a beaucoup de soleil doivent mettre l'emphase sur les produits qui permettent non seulement d'avoir assez d'énergie, parce que quand on est exposé aussi au soleil énormément, eh bien, on a besoin à un moment donné de non seulement de se réhydrater tout le temps, mais aussi et surtout de pouvoir avoir aussi des protides, hein, de pouvoir avoir des lipides. Si on ne les a pas, si notre alimentation n'est pas complète, eh bien nous allons faire des carences et on va se mettre à être très malade seulement parce que nous n'avons pas mangé en fonction de notre zone écologique. Et quand je parlais des échanges tout à l'heure, donc le Cameroun par exemple qui est une Afrique en miniature, qui est capable de produire tout ce qu'on consomme en Afrique, parce que c'est vraiment l'Afrique en miniature. Au Cameroun, on peut produire même ce qui pousse dans les zones tempérées, parce qu'il y a des zones agroécologiques au Cameroun qui sont favorables à des cultures qui ne peuvent pas pouvoir s'épanouir dans la partie sahélienne, par exemple. Donc, la qualité est d'une importance capitale. Et comme vous savez très bien, pour pouvoir se nourrir convenablement, il faut que l'alimentation soit complète. Et pour qu'elle soit complète, il nous faut des sels minéraux, il nous faut des vitamines en général, toutes sortes de vitamines, il nous faut des aliments qui apportent. On doit développer l'intelligence pour qu'on sache qu'est-ce qu'il faut manger pour être léger, pour être lourd. Parce que peut-être on a besoin d'être lourd pour faire telle ou telle chose. Il faut savoir ça, il faut donc manger consciemment. Et pour manger consciemment, il faut faire donc les choix, comme les valeureuses dames si ont évoqué tout à l'heure. Il faut donc faire le choix de ce que nous allons manger. Produisons ce que nous allons manger et mangeons ce que nous produisons. La faiblesse de l'Afrique réside dans ça. Nous produisons le café. Mais il y a combien d'Africains qui prennent le café? Nous produisons le cacao. Combien d'Africains prennent la poudre de cacao? Mais on doit modifier cette façon de faire. Et en cela, vous avez fait allusion tout à l'heure à la politique agricole. Nous devons donc apporter, et je peux vous le garantir, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que nous allons faire d'ailleurs dans les jours qui viennent, dans le domaine politique, nous allons apporter ce qu'on appelle une vision autre de ce qu'on appelle la politique agricole. Parce que jusqu'à maintenant, c'est le tatillonnage, on tâtonne, on marche, on va à volo. L'important, c'est de trouver à manger quelque part et tout. Mais ce sont les animaux qui vivent comme ça.
Mais nous, on est déjà des hommes et c'est nous qui devons conduire le reste des règnes à l'évolution. Et donc, nous devons utiliser notre connaissance qui vient à partir de l'intelligence qui se développe au travers de ce que nous mangeons. Parce que tant que vous n'avez pas tous ces éléments-là, vous n'avez pas des oligo-éléments, vous n'avez pas toutes ces choses-là dans votre système, vous êtes carencé. Et lorsque vous êtes carencé, chers amis, eh bien, c'est les maladies graves qui vont arriver. Vous aurez travaillé 10 millions, vous vendez des produits agricoles, vous mangez et tout cela, mais après, vous allez tomber malade et les 10 millions vont disparaître dans les hôpitaux. Tout simplement parce que au départ, vous n'avez pas mangé ce qu'il fallait et c'est pour cela que vous êtes tombé malade. C'est le cercle vicieux, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc nous devons régler ce problème de la qualité et du choix des aliments que nous devons prendre parce que c'est de cela que dépend eh bien, la suite dans le développement et l'évolution du continent africain. Nous sommes prêts à partager cela. C'est d'ailleurs cela pour cela que Save Africa existe. Nous sommes prêts à partager tout cela avec nos autres frères pour que nous puissions sortir de cet enclavement moral, intellectuel et physique où nous sommes plongés aujourd'hui parce que parfois nous mangeons uniquement ce qui nous attire vers la tombe. Voilà, monsieur Ndou. Il y a beaucoup de préoccupations autour de cette problématique. On rappelle que ça, c'est une série de productions que nous allons faire effectivement sur cette grande problématique, cette grande thématique, pardon, qu'est l'agriculture, avec plusieurs problématiques qui peuvent effectivement se dégager pour nous permettre de mieux appréhender notamment cette thématique-là. Et on espère véritablement que vous pourriez apporter un certain nombre de réponses pour éclairer les Africains qui nous suivent le temps de cette édition de la Renaissance africaine. Madame Pelagie-Huc, je vous retrouve avec cette préoccupation signée Le Bon Blanc et qui nous permet d'ailleurs de constater un certain nombre de réalités. Il dit, tenant compte du fait que l'humanité actuelle est presque totalement urbanisée, y compris l'Afrique, peut-on arriver à cet épanouissement à l'aide de l'agriculture dite traditionnelle ou alors faut-il adapter un nouveau modèle agricole tel que l'agriculture moderne ou alors celle industrielle? Est-ce qu'il est possible véritablement de pouvoir parvenir à atteindre le plein d'épanouissement avec cette agriculture qui est considéré comme traditionnel dans une dynamique, en tout cas de mondialisation. Je crois que quelqu'un l'a d'ailleurs évoqué sur le multiplex, où le continent africain semble lui aussi prêter le flanc à cette dynamique-là. Est-ce qu'il n'est pas urgent de pouvoir s'ouvrir et s'offrir véritablement à l'agriculture dite industrielle? Monsieur Ndoum, tout à l'heure, je crois que M. Moubitang a évoqué le fait que l'agriculture ne se fait pas seulement dans les zones rurales. Même en ville, on peut pratiquer l'agriculture. On ne devrait pas être, par exemple, dans une maison, même si elle est en béton, on a des pots. On peut faire l'agriculture dans des pots. Imaginez-vous que de nos jours, les femmes, les simples condiments, elles les achètent au marché chaque jour. C'est-à-dire que chaque jour, elle va au marché, elle achète les condiments de 100 francs, elle revient, elle cuisine, le lendemain, elle repart au marché. Alors qu'elle peut faire son agriculture dans les pots, ou alors dans des bacs, ou alors même dans des vieux sacs ou des vieux sachets qu'elle a chez elle, qu'elle jette, elle met souvent à la poubelle. Ce sont des choses qu'elle peut récupérer et faire l'agriculture à l'intérieur, cultiver. À Save Africa, on fait des formations pour tout cela. Maintenant, on espère que dans les jours qui viennent, lorsqu'on lancera des formations, les gens vont s'inscrire pour pouvoir être formés, même pour l'agriculture urbaine. Donc, lorsque tu peux cultiver déjà tes condiments chez toi, même si tu n'as que quelques mètres, tu peux cultiver ta tomate, tu peux cultiver certaines plantes qui ne sont pas trop encombrantes. Mais pour ceux qui ont de l'espace, si tu as par exemple même, une petite véranda qui peut te permettre de mettre par exemple un citronnier, un papayer, un manguier même si possible, un corossolier,
C'est possible, même en zone urbaine, nous l'avons expérimenté, nous qui vous parlons, parce que nous étions d'abord en ville et on l'a fait. Dans l'espace où on se trouvait, il y avait ce qu'on dit là, il y avait les banguiers, le cocotier, l'avocatier, le prunier, le corossolier, il y avait tout ce qu'on pouvait récolter chaque jour pour la consommation. Donc c'est possible. On ne va pas seulement penser à l'industrialisation, parce que si on va vers cela, on va tuer, encore on peut dire, l'agriculture, parce que quand on commence à produire à grande échelle, il y a des conditions qu'il faut réunir. Et maintenant, en ce moment-là, on est souvent confronté à des difficultés. Par exemple, si je travaille, par exemple, 10 hectares de tomates, je vais être inondé par la tomate à un moment donné lorsque ça va produire. Je serai obligé, par exemple, de verser des produits de conservation parce qu'il faut à tout prix que je conserve ça bien pour pouvoir écouler ma marchandise. Et surtout que ce n'est pas sûr que j'aurai la clientèle ou alors les routes ou alors les pistes qui vont permettre que je puisse écouler ma marchandise. Donc, il faut tenir compte de tout cela. L'agriculture peut se faire, comme je disais tout à l'heure, de manière en communauté. Si vous êtes, par exemple, 10, on peut dire que c'est déjà quand même à une certaine échelle. Si quelqu'un a une famille même de 30 personnes, c'est aussi à une échelle. Donc, on n'est pas obligé de faire l'agriculture pour 1000 personnes. Si chacun à son niveau travaille un peu, même s'il va acheter d'autres choses, mais au moins, il aura réduit un certain nombre d'éléments, la dépendance à ces produits qui viendront de l'extérieur. Imaginez-vous qu'en Afrique aujourd'hui, on importe beaucoup de riz. Pourquoi on importe beaucoup de riz? Je pense que ce n'est pas nécessaire. Est-ce qu'on est obligé de manger le riz chaque jour? On n'est pas obligé. C'est parce qu'on s'est vraiment fermé et on s'est mis dans une prison où on a l'impression qu'on est obligé de manger les mêmes choses chaque jour. Moi, je pense qu'on n'est pas obligé. Parce que c'est parce qu'on pense qu'on peut manger le riz chaque jour qu'on est obligé de travailler des grands espaces. Alors que ce n'est pas nécessaire. On peut manger un peu de patates, on mange un peu de plantain, un peu de banane douce. Et même si en ce moment-là, j'ai cultivé juste un peu de riz, je le mange de temps en temps. Donc, je n'aurais pas besoin de faire de grands espaces. Donc, on peut faire l'agriculture partout. Même les bananiers plantés, on peut les cultiver en ville. Mais quand vous marchez dans les villes, par exemple au Cameroun, à Yaoundé ou à Douala ou à Bafoussam ou partout dans les grandes villes, il y a des gens qui ont les bananiers dans leur cour et qui récoltent des régimes de bananes et les consomment. Donc, on peut tout cultiver autour de soi. Et même si par la suite, on va apporter d'autres éléments, mais ça ne sera pas très grave. Ça sera par exemple chez le voisin qui, lui, a cultivé autre chose et vous pouvez même faire le troc. Vous lui donnez la banane douce, il vous donne l'ananas qu'il a cultivé. Ou vous lui donnez du piment, il vous donne la tomate. Donc, on peut travailler comme ça ensemble pour que chacun puisse avoir ce qu'il faut pour sa survie. Moi, je pense qu'on n'est pas obligé de travailler des trucs à grande échelle. Parce que c'est cette prison-là qui a amené l'homme à commencer à penser qu'il faut des grands engins, des tracteurs, tout ça. Ça a vraiment compliqué la vie. Alors que, par exemple, si quelqu'un a un bœuf, le seul bœuf là peut même l'aider à travailler juste un petit espace qui va lui permettre de ne pas être très fatigué et d'avoir un bon rendement. Et que ce bœuf là va lui permettre aussi d'enrichir son espace. Donc moi, je pense que si c'est parlant d'industrialisation, on peut s'arrêter à ce niveau-là. Donc on travaille avec les bœufs, les chevaux, les ânes. Et si on n'a pas cela, on travaille avec sa petite famille ou alors avec la grande famille. Parce qu'il y a des gens là qui ont même une famille de 30 personnes. Mais chacun a pris sa route. Chacun travaille à part. Et c'est ça qui affaiblit, parce que lorsque tu te retrouves seul, par exemple, tu es un père de famille, tu dois envoyer les enfants à l'école. Ils sont par exemple 5-10, et tu es seul à travailler, mais tu ne peux pas t'en sortir. Tu seras exténué. Tu ne pourras pas nourrir tous ces enfants-là, tu ne pourras pas les envoyer tous à l'école. Donc il faut travailler ensemble. Et moi, je me souviens que quand même, il y a quelques dizaines d'années, les parents faisaient quand même ce petit effort-là où ils envoyaient les enfants en congé, même dans les villages, ou alors chez grand-mère, ou alors chez la tante, pour essayer de travailler un peu pour que ça puisse apporter la main-d'œuvre. Mais maintenant, on ne voit plus ça. Les enfants restent en ville toute l'année. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils ne partent qu'à l'école, quand c'est les congés comme en ce moment. Ils ont des répétiteurs, ils n'ont même plus le temps d'aller même donner un coup de main, même à la tante ou la grand-mère qui est là-bas, qui a travaillé le champ d'arachides, qui doit lui envoyer ses arachides en ville pour qu'ils puissent consommer. Ils ne viennent même plus l'aider. Elle va faire comment? Au fur et à mesure que le temps va passer, elle sera complètement fatiguée et vous n'aurez même plus les moyens même pour continuer l'école. Donc nous pensons qu'il faut qu'on revoie tout cela. Donc nous encourageons les femmes à ne pas penser que c'est en multipliant par exemple les cours de vacances ou en envoyant les enfants sans arrêt à l'école que cela va changer quelque chose dans leur vie. On a vu le résultat. Les enfants sont là, ils n'ont même plus de boulot. Après l'école, il n'y a même plus le boulot. Qui va les embaucher? Et ils sont même incapables de créer des entreprises. Est-ce qu'ils ont les moyens?
surtout chez nous en Afrique. Qui sont ceux qui ont les moyens, qui peuvent créer des entreprises? Ils sont très peu, très très peu. Il n'y a que quelques personnes qui peuvent le faire. Donc on ne doit plus attendre cela, on doit mettre la main, on doit devenir des agriculteurs. Et pour nous, agriculture, ce n'est pas seulement cultiver la terre. On a dit que c'est aussi au niveau de l'habillement. Je peux être un tisserand. J'apporte ma pierre en tissant des tissus, en faisant des tissus, et en donnant à mon voisin qui a le plantain et qui va me donner du plantain. Je lui donne un morceau d'étoffe et il va s'habiller et il n'aura plus besoin de que le froid ou alors le chaud l'embête. Donc, et je peux aussi avoir mon voisin qui sait cultiver, par exemple, les arbres fruitiers ou alors des plantes médicinales, qui va me composer un médicament pour que je puisse être en bonne santé. Et moi, je lui apporte autre chose. Donc, on doit revoir complètement notre façon de penser l'agriculture. Parce que l'agriculture, c'est un tout. Et ça se fait ensemble. Chacun à son niveau, mais aussi dans le cercle familial d'abord. Donc, repensons cela. Et je pense qu'à ce niveau-là, les choses changeront. Merci à vous, Sylvia Boglem, qui réagit d'ailleurs à la suite de votre analyse, Madame Pélagé-Huc. Elle dit, elle est d'ailleurs tout à fait d'accord avec vous. Elle écrit, je cite, tout à fait, les peaux, les piments, la tomate, le persil, on peut justement les cultiver chez soi et pouvoir véritablement avoir son indépendance vis-à-vis d'un certain nombre de condiments qui sont régulièrement, en tout cas, achetés sur les différents étals dans nos marchés. Alors, Madame Marie-Paul, je vous retrouve avec une autre préoccupation. Et là, je voudrais que l'on évoque véritablement les changements, le dérèglement climatique qui est observé aujourd'hui. On observe donc une instabilité par rapport, effectivement, aux saisons. Et beaucoup d'agriculteurs ont été ruinés à cause de ce dérèglement climatique ou alors saisonnier. Comment faire donc pour combattre ces aléas, du moins ces imprévus, j'arrive dû à la nature, c'est la petite fille du soleil qui signe cette préoccupation. Ben, le problème est tout simple, puisque les plantes comme les hommes ont appris à s'adapter. Les saisons n'existent plus pour celui qui a la connaissance, qui a l'intelligence pratique sur comment pratiquer l'agriculture. Lorsque vous vous évertuez à mettre quelque chose dans la terre, vous avez pris la peine aussi de peser le pour et la possibilité et même la probabilité pour que cette plante puisse évoluer dans une période dite et peut-être pas dans une autre. Les plantes de saison sèche, vous les connaissez, celles qui s'adaptent facilement. C'est la même chose pour celles qui s'adaptent le plus facilement aux pluies, qui tombent beaucoup pendant la saison des pluies, disons-le comme ça. Donc, en fait, les changements climatiques ne peuvent avoir aucune incidence pour celui qui sait comment adapter chaque culture à une période donnée. Vous voyez, par exemple, en ce moment précis, on pourrait dire que ce serait tout un peu idiot de prendre sur soi de cultiver la tomate pendant qu'il pleut beaucoup comme ça. C'est pour ça qu'on la trouve aussi trop chère sur le marché lorsque cette saison, elle pointe à l'horizon. Donc, celui qui veut travailler, à partir du mois de juin jusqu'à peut-être septembre ou octobre, sait que telle plante est plus résistante aux pluies et elle est plus résistante aux piqûres parce qu'il y a aussi, au niveau de ces changements climatiques, il y a la prolifération des insectes de saison qui vont constituer un frein à l'épanouissement de la plante et enfreindre, faire en sorte que la production puisse prendre un coup. Et donc, le plus facile, c'est d'observer dans la nature ce qu'il faut utiliser pour adapter chaque culture à une période donnée. Vous savez, lorsque vous avez choisi les semences, leur qualité dépend aussi du sol où vous les mettez. Si le sol est aride, il ne suffit pas que la pluie tombe. Il faudrait que ce sol soit enrichi avec, on pourrait dire, une variété ou des variétés de microbes qui peuvent faire en sorte que la plante puisse facilement évoluer en faisant en sorte que elle soit protégée et que ces microbes qui lui permettent d'évoluer puissent aussi constituer comme, on pourrait dire, une ceinture de protection de manière à ce que ce qui peut lui nuire ne puisse pas arriver à la détruire. Donc les changements climatiques, nous l'avons dit, ne sont pas un frein à ce que les cultures puissent évoluer. Mais
En Afrique, on a dit que nous vivons au rythme des saisons. On ne va pas pouvoir le renier. Nous vivons au rythme des saisons. Mais de manière permanente, nous savons que, en ce qui concerne l'agriculture, il y a ce qu'on pourrait appeler le verger. Le verger assure en permanence une alimentation saine et équilibrée à tout Africain qui se respecte. Lui ne connaît pas de saison, sauf pour ceux qui, on a observé, hein, dans la plupart des cas, il y a des gens qui sont arrivés à pouvoir exciter des plantes, des arbres fruitiers notamment, qui ne produisent pas, qui produisent à contre-saison, on peut le dire ainsi. Et il suffit de pouvoir les arroser, peut-être lorsqu'on se trouve en saison sèche, ou de les laisser, de juste les éduquer pour qu'ils puissent prendre de l'ampleur lorsque la saison pluvieuse est là. Mais nous disons de manière permanente et sûre, l'arboriculture, donc, le fait que les Africains puissent en arriver à planter des arbres fruitiers en quantité et en qualité aussi, et de manière variée, peut faire en sorte qu'il n'y a point d'incidence en ce qui concerne la variété des cultures de manière au rythme des saisons. Donc, que ce soit pas que, bon, c'est parce qu'on est en saison pluvieuse qu'on ne peut pas cultiver ci ou ça, mais qu'à plein temps, on puisse avoir à manger comme on le veut et quand on le veut. Il nous reste une dizaine de minutes pour sortir et Pierre Poul, je vais vous retrouver et nous donnerons certainement le loisir de pouvoir ajouter, de pouvoir apporter des éléments en plus sur les différentes préoccupations abordées par Madame Huguette, mais surtout Marie-Paul. Mais la réflexion sur laquelle je voudrais que l'on puisse s'apesantir avec vous est notamment sur le cas des subventions, parce qu'on l'a notamment évoqué dans les différentes prises de parole, je crois que c'était avec Madame Huguette, les politiques d'accompagnement, notamment, ou alors d'encouragement de l'agriculture ou des subventions par l'État. Alors, pourtant, lorsqu'on jette un coup d'œil en Europe, où cela d'ailleurs a été fait, les agriculteurs sont beaucoup plus endettés et beaucoup d'entre eux vont souvent jusqu'à se suicider sous l'effet effectivement de ces dettes accumulées. Alors, quand on sait également que c'est la main qui donne qui commande, ne pensez-vous pas que le modèle de subvention est un véritable piège pour l'agriculteur? C'est la précision, alors la préoccupation de notre ami Messa. Je rappelle également qu'un rapport de la Sécurité sociale agricole de 2016 du côté de la France faisait état de près de 529 cas de suicide. Est-ce que la politique de subvention devrait être encore celle qui, du moins, devrait être la panacée sur le continent africain aujourd'hui? Bien. Alors, il faut... Et c'est ça, c'est pour ça que je dis souvent que l'intelligence est fondamentale. L'intelligence est fondamentale parce que la difficulté que vous ressentez là, mais c'est parce que les gens n'ont pas pu trouver des solutions parce qu'ils ne sont pas intelligents, tout simplement. Et je vais vous le démontrer tout de suite. Alors, vous allez voir, quand nous on parle de subvention, on ne parle pas de l'argent à prêter aux agriculteurs. Un agriculteur ne doit jamais accepter d'emprunter de l'argent. Ça, c'est l'une des règles fondamentales. Dès que tu commences avec les emprunts, la nature commence à te lâcher. C'est clair, parce que tu empruntes avec des intérêts. Et la nature a horreur des prêts avec intérêt. C'est pour cela que ces gens se suicident. Parce qu'ils ont emprunté avec des intérêts. Quand on dit subvention, ce n'est pas prêt. Quand vous dites qu'ils se sont suicidés, c'est parce qu'ils étaient endettés. La subvention n'est pas remboursable. Qu'est-ce que nous appelons subvention? Ce n'est donc pas de l'argent à verser aux agriculteurs, mais c'est de rendre possible, par l'aménagement des espaces agricoles, de rendre disponible l'eau qui est un facteur déterminant dans l'agriculture. Voilà ce que nous appelons subventionner. Subventionner pour nous veut dire
Faire en sorte que les pistes rurales soient entretenues de manière permanente. C'est ça que nous appelons la subvention. Ce que nous appelons la subvention, c'est de faire tout pour que, à travers la découverte, à travers les données scientifiques, que vous puissiez rendre possible l'information sur la pluviométrie de telle ou telle zone, pour que l'agriculteur puisse savoir que ces plantes qui ont besoin de telle quantité d'eau dans l'année ou dans telle période de mois, ces plantes ne peuvent avoir suffisamment d'eau dans tel ou tel lieu, dans tel ou tel domaine agroécologique. Donc la météorologie devrait se mettre au service de l'élevage, des cultures et de tout. Parce que toujours n'oubliez pas, l'agriculture, ce n'est pas seulement cultiver la terre, ce n'est pas seulement élever les animaux, mais c'est aussi élever les hommes et tout cela. Donc c'est un ensemble. Et donc, vu de cette manière, lorsque on rend possible qu'on aménage les terres pour que la jeunesse africaine, par exemple, aille, au lieu d'attendre l'argent pour pouvoir commencer un projet agricole, si l'espace est aménagé, s'il y a des lieux de loisirs, ça c'est le devoir de l'État de créer des conditions pour que les jeunes puissent avoir des espaces de loisirs. Ce n'est pas un jeune qui doit aller créer un stade de football ou un stade de basketball. Hein? C'est le gouvernement, c'est l'État qui doit le faire. Donc il y a un ensemble de choses qui doivent se réaliser, de telle sorte que quand les jeunes veulent aller entreprendre l'agriculture, je prends l'exemple de ces animaux, de ces compagnons dans l'agriculture, qui sont les bovins, les équins, hein, même les caprins, tous ces animaux, toutes ces espèces animales, toutes ces espèces animales devraient pouvoir être rendues disponibles dans chaque zone agroécologique. Parce que c'est à partir de l'existence de l'apport de ces animaux dans la transformation du foin, par exemple, qui va devenir de l'engrais pour éviter toutes les fabrications chimiques qui vont venir nous rendre malades, hypertendus et consorts et tout. Donc, il faut que l'État mette à la disposition des jeunes Africains des animaux qui vont les accompagner dans leurs travaux agricoles. C'est ça que nous appelons la subvention. Malheureusement, le monde fonctionne tel que tout le monde est devenu esclave de l'argent. C'est pour cela que notre âme est détruite, avec toutes les conséquences que nous voyons sur l'avènement des maladies dites de civilisation. La vie d'un homme doit l'amener à rechercher la vérité, la justice, et non l'argent, les honneurs, la puissance, parce que toutes ces choses créent des guerres, de l'animosité, de la rivalité, et nous voyons aujourd'hui comment le monde se porte. L'Afrique doit réfléchir autrement. Quel genre d'homme voulons-nous faire venir à l'existence? Quel genre d'homme voulons-nous pour l'Afrique de demain? Nous devons, quand on a répondu à cette question, nous travaillons, nous pratiquons l'agriculture pour atteindre cet objectif-là. Au lieu de continuer aujourd'hui à commander les céréales en Ukraine. Des chefs d'État africains partent s'asseoir devant un danseur sans caleçon pour lui demander, et de surcroît il est en guerre, pour lui demander des céréales. Quelqu'un qui est en guerre, qui est devenu fou,
Vous traitez avec les fous. Donc le problème, c'est que tant que nous n'allons pas revenir au point de départ, qu'est-ce que l'homme sur la terre cherche? Quelle est sa destinée? Où va-t-il? Qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre? C'est en fonction des réponses à toutes ces questions qu'on pratique donc l'agriculture. Si vous n'avez pas les réponses à ces questions, vous allez faire comme tout le monde fait là et on connaît la suite. Donc tout à l'heure, vous avez évoqué la question de l'agriculture industrielle. Mais c'est la plus grande folie que l'humanité a mise en place, l'agriculture industrielle. Mais c'est ça qui a rendu tout le monde malade, l'agriculture industrielle. Parce que ça va de pair avec non seulement la destruction des sols, avec les gros engins, la disparition des vers de terre, la disparition des insectes pollinisateurs, la disparition de tout ce que la nature met aux côtés de l'homme pour qu'il puisse se développer ou s'épanouir. Nous avons détruit tout cela avec l'industrialisation. C'est pour cela qu'il y a des changements climatiques. C'est pour cela qu'on recherche maintenant les moyens de mitigation. Mais on les cherche, on ne les trouve pas. On ne les trouvera jamais, puisqu'on n'a pas résolu le problème à la base. On court après l'argent. L'agriculture n'a jamais pour fonction de chercher l'argent. L'agriculture a pour fonction de rendre l'homme heureux. Ce n'est pas de chercher l'argent. Tant qu'on ne va pas le comprendre, et notre souhait, c'est que l'Afrique sorte des sentiers battus, de ce modèle matérialiste à outrance qui nous a été imposé, et que nous puissions compter sur nos mains. Monsieur Ndoum, 1000 personnes dans un village, qui sait ce qui décide de travailler dans le sens de chacun pour soi, deviennent en 3-4 ans tous heureux, tous. Je dis tous. D'accord. Merci. Qu'on va évoluer. Merci infiniment. Hein. On va démontrer ça au fur et à mesure qu'on va évoluer. Comment est-ce qu'on peut partir de... Malheureusement, notre parti est à temps et on a des pressions, des contraintes de production ici parce que juste après nous, c'est le grand débat panafricain, mais cette fois-là en langue de Shakespeare. Merci infiniment à vous, très chers messieurs et dames, de nous avoir accompagnés le temps de cette édition de la Renaissance Afrique. On n'a pas la prétention d'avoir tout dit. D'ailleurs, on y reviendra de fond en comble pour mieux appréhender, on vous l'a dit, cette grande thématique relative à l'agriculture qui nous est particulièrement importante pour l'épanouissement de l'être humain à tout point de vue, sur le plan de son âme, de son esprit, mais également de sa composante physique, sociologique et tout ce qui va avec. On se donne rendez-vous samedi prochain pour une autre production de la Renaissance africaine avec nos amis de Save Africa. Bonsoir.